Oh, 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 oh. Hey! Hola! Salut! Joyeux Noël! On est encore sur les alcooliques de Noël. Ouais. Et Lola et Lorraine, elles se sont dit, tiens, on va faire un concours de tricks. Donc, Ça fait quoi si je prends Luigi? Bah, je sais pas, mais en tout cas, je pense que Lola 13, elle a une meilleure board et. Ah, meilleure ouais. Tricks. Ouais, et je prends Lola 13 si tu alors. Prends Luigi, je pense que quand tu vas faire des tricks, ça va faire. Ouah! Donc, ça pourrait être drôle, mais après tout, écoute, il y a une Lola déjà qui est. Il y a une Lola 13. Et donc, moi, pendant ce temps-là, je vais pas tourner la manivelle. Ouh la vache, ouais. Ouvert, j'ai vu un truc déjà. Je vais m'occuper de scènes lecture pour vos soirées d'hiver. La madame, elle est habillée comme Noël. Exactement. Waouh. J'aime beaucoup sa robe. Ouais. Et à côté, t'as vu, il y a un anneau vibrant. Enfin bref. c'est les lectures de PJ cette fois et je vais vous faire. Attends, faire un jingle. Encore. Allez, oui. Vas-y. La lecture de PJ. Ouais. Alors, voyons voir. Bon, alors on a bah, allez-y, choisissez déjà votre cours. Ouais, celles-là, elles sont longues. On peut faire une compilation aussi. C'est le même truc que j'ai fait tout à l'heure. On va peut-être voir un niveau différent, parce qu'après, ouais. Les gens, ils vont voir tout à l'heure. Il n'y a pas de mélèze, elle est assez courte. On peut peut-être... Mais, ah, ça veut dire quoi, mélèze? C'est comme plus. La... Oui, par contre, ça, c'est défaut du jeu, c'est que ça sectionne bah alors, très mal. Bah alors, ce que tu veux. Voilà. Bah alors. On peut faire raid déblayer. Bon, écoute, moi, je te fais confiance. Au niveau du décor, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Franchement, je me souviens jamais. Très bien. De quelle piste quoi. Je sais juste que celles qui sont au milieu, elles sont plus courtes que celles qui sont tout en haut. Bah moi, d'accord. Franchement, tu me promets que c'est déblayé, moi j'ai envie d'y aller. En même temps, ouais. C'est un peu logique, parce que si elles sont tout en haut, c'est-à-dire que tu pars de plus haut. Enfin, de plus loin, tu vois, c'est logique. C'est vrai, il y a Boulodrome, Hard Rocks, Frousse Blanche. Ah, Schlasse de neige. Ah, c'est joli ça. C'est joli, Schlasse de neige. Moi, j'aime bien Boulodrome parce que j'imagine. Mais il y a plein d'arbres. Ah ouais. Non. Alors. Non, il y a pas des boules. On peut faire Frousse Blanche, on peut faire compilation, on l'a déjà faite. Ah. Ouais, il a trouvé des trucs bien. Là. Ouais. Allez, vas-y, raid déblayé, moi ça me va. Allez la raid déblayée. La raid déblayée. Elle est bien propre. Ah mais non, mais je m'en fous de ça. En l'air anonyme. Non, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu fabriques? Allez, compilation. Non, compilation. Attends, c'est quoi ça? On peut faire des tricks sur ces boulodromes? Bah, viens, ouais. On fait des tricks pendant qu'on mate des boulots. Ouais. C'est allez, un tournoi slopestyle. Ça sonne vachement, ouais. Vachement dégueu, slopestyle. Ouais, slope un peu. Ouais. Allez, vas-y, faisons allez. Des tricks. Et alors, moi, j'ai trouvé un truc assez marrant. C'est ce qui est cool. Ah, ça risque d'être très rapide par contre. C'est pas grave. Ouais, non, ça c'est pas un titre que j'ai trouvé, ça par contre. Ah, mais, c'est quoi alors, non, mais il y en a un, c'est la jaquette qui est marrante parce que bon, le truc s'appelle séquestré et abusé, ça c'est pas marrant. Non, c'est pas très marrant. Par contre, tu vois une meuf qui est genre allongée par terre et qui se dirige vers la caméra en tendant la main, et derrière tu vois un mec genre en bleu de travail avec un masque de Jason qui la poursuit. What? Quoi? Oui. Le mec il a un masque de hockey. C'est un peu bizarre. Ouais, écoute. Mais why not? Il y en a que ça fait border vendredi 13. Bah oui, moi les masques de hockey c'est un peu mon délire. Hein. Ça j'imagine bien sur un CV ça doit être bien ça. 18 ans et 13 anal. 18 ans et 13 quoi? Et 13, non, et très anal. Ah j'ai, oui, non, j'ai fait la liaison. La liaison anal est toujours très, très importante. C'est ouais. T'as eu de la chance que je me sois cassé la gueule parce que j'aurais gagné. Je suis nul en tricks. T'es pas une chanteuse de Vita ça? Ma femme jouit avec un autre. Jouit avec un autre. Bah, t'arrêtes de rouler comme une bûche. Oh, il est fait. J'avais pas vu le lapin. Oui. Oh, joli. L'arbre. Alors, moi, je suis à gauche, oui. En fait. Hein. Ah, merde, ok, oui, non, pardon. Mais c'est moi, le lapin. Je disais joli pour le lapin. Oui, bah, ça va. Je croyais que les lapins, c'est des créatures... Oh, pourquoi ça m'a TP, là? Bah, parce que t'as perdu. Moi, j'ai gagné. Oui, mais enfin, j'ai perdu, mais après tout, est-ce qu'on était pas là pour s'amuser? Parce que si on parle d'amusement, je pense que j'ai gagné, hein. Tu t'amuses, là? Je suis bien amusé, moi. Merde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire puff puff. Vas-y, fais puff puff. Faisons puff puff avec des tricks. Alors là, un documentaire historique sur un documentaire cool. Historique sur la comment dire la Transylvanie. Ah, jeune oui. Gay à empalé. Ah. Jeune gay à empalé. Alors, littéralement ou? Bah, je sais pas. Parce que c'est un peu méchant d'empaler des gays. Les meilleures combinaisons se font à trois avec de beaux mecs bien gaulés, abdos nickel et une grosse bite qui fourre. Non mais et c'est. Se fait dévorer la belle bouche. C'est vrai d'un côté, ils ont pas tort. Bah écoute, tant qu'à faire. Mais putain, redresse-toi. Alors, enfin, je parlais de... Alors un film pour les fêtes, hein, si jamais vous avez des repas en famille. J'aime Papy, surtout sa grosse bite. Bah au moins c'est bien parce que prêter de l'attention à ses grands-parents, c'est important. Exactement. Il faut aider ses j'adore le
Eh, ça va, hein. C'est la le fameux trick du chasse-neige. Enfin, de la tanneuse. Non, dalleuse, comment c'est? Si, la dameuse. La dalleuse. Non, ça, c'est un titre d'un de ses films, à mon avis. La dalleuse. La dalleuse, ouais, la goulue. Alors. Goulue. C'est horrible. Je déteste ce mot. Couille en zone rouge avec ces nanas qui aiment tellement papy qu'elles n'ont pas honte de se balader à poil et de le racoler. Attends, couille en zone elle rouge. Elle racole pépé. Couille en zone rouge, ouais. Et elle racole pépé. C'est couille en URSS, ça? Couille en zone rouge. En URSS. Non, c'est le nouveau NCIS, couille en zone rouge. Non, mais ça fait penser à un reportage de Capital. Oui. Oui, voilà, couille c'est ça. Couille en zone interdite. Voilà. Quel est leur réseau? Qu'est-ce que tu sais? Ouais. Où est-ce que je suis? Dans quel sens? Je t'ai doublé. Non. Mais juste en course. Oui, en course, mais on fait des tricks. Ouais, mais bon. Après, moi, j'ai quand même de l'avance parce que, enfin, je connais bien le jeu. Oui, bah, tu sais quoi? Bah, je te respecte. Milf. Attends, c'est quoi? Milf enculé en double. En double? En double, ouais. Comme au tennis? Exactement. C'est. Y a un. Y a un arbitre, il est là, ouais. Il fait. Wouh! Sur la chaise au-dessus. Et. Y a un ramasseur de balles. Voilà. Ah, un ramasseur de boules, oui. Du coup. Allitération, une jolie allitération. Mat machat. Je t'ai rattrapé. Ah, c'est comme le groupe, c'est là. C'est comme le groupe, ouais. Le groupe breton. Oui. C'est le punk breton. Légalisation. Ça ferait aussi un bon nom de Pokémon, ça. Mais pourquoi je suis hors piste? Je sais pas. Oh là là. Entre copines de classe, le réalisme est le point fort de cette collection tournée en très belle qualité d'image. Tant mieux, car les filles sont juteuses et belles. Oh, mais c'est pas des oranges! Comme si je n'étais pas là. Elles sont juteuses et gorgées de soleil! Ah merde. C'est pas des oranges. Ah, deux godes d'une ceinture. Deux godes d'une ceinture? Ouais, non, ça par contre, c'est du matériel, c'est pas un film. Ah, ok. Ah. Parce que je trouvais que c'était pas très engageant, spécialement. Bah non, mais tu vois, il y a un petit côté Two Girls One Cup, tu vois, je pense qu'ils ont voulu surfer un peu là-dessus. Certainement. Alors, ça par contre, non. Je suis désolé, non. Oui. Patiente abusée par le gynéco, non. Non, parce que ça existe dans la vraie vie, ouais, donc c'est pas très marrant. Non, ça je suis pas d'accord. Par contre, chienne à grosse mamelle, alors. Ah. Non, mais alors par contre, c'est des... Non, quand ils disent ça, c'est pas des vraies chiennes, enfin c'est des femmes, c'est pas des. Ah, bah justement, c'est encore pire. Voilà, justement, ça peut prêter à confusion. Après, j'ai pas spécialement envie de voir des vraies chiennes à grosse mamelle. Hein. Non plus. Enfin, c'est pas mon délire. Pardon, oh la vache, si j'ai... Bah dis donc, t'es tout morveux, hein. Ah bah j'ai le nez plein, bah tu vois, parfait, pour me boucher le nez, coffret trio anal, voilà, coffret de 3 plugs anal. Retrouvez le coffret trio anal. Alors le premier il fait 105 par 25 mm, le deuxième il fait 125 par 30 mm, et le troisième il fait 160 par 45 mm. Ce qui est... 45, t'imagines une circonférence de 45 mm? Attends, quoi? Non plus. Une circonférence de... C'est très petit, 45 mm. C'est 5, 4 cm. C'est 4 cm 5. Une circonférence de dans ton en cul. Entier, c'est très peu. Ah ouais. Non, je sais pas, alors. Bah, 4 cm, c'est genre ça, quoi. C'est pas un peu plus? Bah, non, hein. Attends. Moi, bon, en tant que mec, je préfère pas me prononcer. Si, c'est à peu près ça. Tu vois, c'est des mecs que tu fais à peu près ça, PJ? C'est 4 cm, hein. Je sais c'est, pas. C'est mes ça, doigts, non, tu vois. C'est à peu près 1 cm par doigt. Non, attends, ça fait au moins 3 cm. Je pense que c'est passionnant pour tout le monde ce qui est en train de se passer. Non, mais je parle de mes phalanges alignées. Pas de... Oh, je sais pas comment dire. Écoutez, on n'est pas là pour faire du bon contenu. On est là pour faire du contenu. Alors, on est là pour faire du tricks. Voilà. Ouais, j'ai les tricks. Alors là aussi, on est sur un bon CV. T'as la tricks là. Ouais. On est sur un bon CV. J'aime la muscu et les gros godes. Ah, c'est Thibaut InShape qui voilà. A fait un C'est film. Tout pour le muscu. Tout pour le musc. Voilà. Très rare dans le porno, mater de la chatte de bodybuildeuse et voir en gros plan comment elle se gode, se branle et se muscle le fion au bijou. Au bijou. Au bijou. Moi j'ai huilé des bodybuildeuses. C'est vrai? What? Ouais, sur un tournage. C'est génial. J'ai huilé des bodybuildeuses. Comment ça se fait que je sais que j'ai pas su? Bah si, je te l'ai, j'ai dû te le raconter. Attention à l'effiler, oui, le pardon. Micro. Parce que j'ai rangé mes pieds par réflexe. Bah, range pas tes pieds, Lorraine. C'est bien, je préfère tes pieds en désordre, moi. Alors, deux mecs, une cougar. Ah, Mamie Azob. Alors, c'est son nom de famille ou non, c'est non, sa passion? Je vous dis pas le titre allemand, parce qu'évidemment, c'est allemand. Ah. Elles n'ont pas oublié la salope qu'elles étaient à 20 ans. Et quand on leur a mis la bite du hardeur sous le nez, tout s'est réveillé. Pipe, enculage et Jacques facial. Si elle a eu un flashback. Mais oui. Des pitiés. En fait, j'ai toujours aimé la bite. Mais oui.
Alors, ça par contre, ils l'ont pas traduit en français. Oh, j'ai fait un super trick. J'aurais été très curieux de savoir ce qu'ils auraient mis. Oui, là, t'as du boost pour faire des monstres. Mais ouais. Un trick monstre. Et là, tu peux faire des trucs vraiment ouf. Et genre, me bien me niquer. PJ. Oui, pardon. Tu caches la partie de là. Je me penche un peu. Tu caches ma partie. Tout le monde veut voir mes parties pourtant. En entier. Oh, regarde. Ah, c'est bien ça. C'est du Steinbeck. Des lesbiennes et des godes. Oh, wow. Après des souris et des hommes. Exactement. Après ragote dans un cul. Oh, quel visionnaire. Ah, ça aussi, tu as un bon film hollywoodien. La mariée est une salope. À peine mariée, la voilà qui se cache pour sucer deux invités jusqu'à plus soif. Les autres, c'est jusqu'à pour se faire enculer. Tu sais, c'est pas très hydratant. Hein, que des chiennasses en robe blanche. Waouh, ok. Ouais. Mais vous vous souvenez de cette histoire de ragotte, le rat dans le rat de cul? Quoi? Ah non, Armageddon. C'était pas des hamsters. Ouais, Armageddon. Armageddon, c'est hamster. C'est hamster. Mais c'était pas un rat, c'était un hamster de cul. Il avait même écrit un bouquin. Oui, au fond du trou. Au fond du trou, ouais. Ma vie après Armageddon. Voilà. C'était ça. Obtenez un sexe. Non. Obtenez un sexe. Un sexe. Yes. Juste... Moi j'en ai pas. Donc. 25 vieilles en chaleur. Oh, un calendrier de l'Avent. Ah, ah bah oui, c'est les fêtes. Hein. Tous les jours, une nouvelle mémé. Pour mériter un rôle dans le futur porno du roi du X, les mamies doivent passer un casting et sans piffrer de bite. Sans qui piffrer sera... Qui Mais sera... on va les manger. Qui sera la plus bandante des mamies? Eh mais pourquoi on ne remplace pas Miss France par ça? Ah mais ouais. La plus bandante des mamies. Mamie bandante bientôt sur M6. Bah il y a le concours des super mamies. Hein. Oui mais c'est pas vraiment, tu vois ce que je veux dire. Fist anal entre filles. Si elles gueulent quand on les fiste, ces chiennes, c'est pas de douleur mais de plaisir car elles adorent ça qu'on leur dilate la chatte et le fion jusqu'au coude. Au coude, c'est vachement loin quand la même. La vache, c'est beau mais c'est loin. Indeed. Ah manger des pommes. Manger des pommes. Enculé par une machine infernale. La vache, il y a du Matrix et tout. Bah c'est Barbarella, c'est la machine à excès. Voyez comme elles transpirent ces filles et comme elles pourraient jouir toute la journée avec ces machines à god qui les baisent en vaginal et anal. Ça finit en cours de bio, hein, c'est... Ouais, c'est... En fait, c'est ça qui est gênant, c'est que parfois ils sont trop anatomiques dans leur description, quoi. Et là, insérer le pénis. Elle dit toujours oui. Poupée gonflable blonde, Shy Camilla, ok. Est-ce qu'elle dit vraiment oui quand t'appuies dessus? Je pense pas justement, donc ce qui veut dire que qui ne dit non, consent pas, enfin qui ne dit pas, enfin qui ne dit rien. Ouais, qui ne dit mot consent, c'est le pire dicton. Oui, voilà, c'est ça. Genre, ne l'appliquez pas à votre Mais vie. Jamais, jamais. Qui ne dit rien n'a pas consenti en fait. Exactement. Voilà. Qui ne dit rien n'a rien dit, c'est tout. Voilà, exactement. Et les absents ont toujours tort, c'est débile ça. Oui, et c'est comme aussi pas de nouvelles, bonnes nouvelles, alors ça j'avais compris. Bah ça veut dire que tant que tu sais pas que mémé a été jeté dans le lac, c'est une bonne nouvelle. Ouais, oui, je vois, dans ce sens-là, mais genre... Tant que t'as pas de nouvelles, ça veut dire qu'il est rien arrivé de grave, en fait. Ouais, bah écoute, non. Moi, je suis très nulle, Lorraine, hein. J'ai essayé, hein. J'ai tricksé. J'ai donné tout ce que j'avais. Bouffeuse de clito. Ah, enfin, on arrive sur les vrais bails. De vraies lesbiennes mettre une caméra chez elle pour se filmer pendant qu'elle se bouffe le cul. Un petit dernier. Faudrait un savoir. Petit dernier, ouais, un petit, un court. Alors attends. On a fait compilation pas. Du coup. Après, elles ont peut-être le cul dans. Attends, non, le clito dans le cul. Ah non, y en a pas. Ah ouais, remarque, elles ont peut-être le clito dans le cul. Bah. C'est cru, direct, amateur et ça fait bander du tonnerre. C'est quoi? Bon, c'est la critique Télérama. Bombasse à gros nibs. Gros nibs. Gros nibs. Oh non, il y a marqué gros nibs. Blonde, brune, gros sein à branlette espagnole, chat poilu et feu au cul. Voilà le. Chat poilu et feu au cul. Voilà le portrait de ces infos prêtes à tout pour baiser et jouir copieusement. Copieusement. Oh là là. C'est Noël, vraiment. Allez, là, on se fait plaisir. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est parti pour la branlette. La 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 la. Ne regardez pas ce dessin animé. Ah, tout, allez souffler dans la trompette. Ah non, ne soufflez pas dans les vagins, ça peut faire tuer des gens. Ah ouais? Ah oui. Alors, c'est un vrai truc ça. Vas-y. Ne soufflez pas dans les vagins de vos copines, elles peuvent en mourir. Non. Tu peux en faire une embolie pulmonaire. Ah ouais? Oui. Putain, mais oui. C'est vrai, absolument pas. Ne soufflez jamais dedans. En même temps, tu me diras, l'idée ne m'est jamais venue. Mais ouais, mais c'est arrivé. Au cas où, tu vois. Et c'est un vrai truc. D'accord. Mais éternuer accidentellement. Ouais, bon, après, faut vraiment envoyer de l'air quand t'éternues et bien baiser, quoi. Mais ouais, ne soufflez pas dedans comme un ballon, vous J'imagine tueriez votre ça, compagne. Ça fait comme le bruit du truc de Javier Bardem dans No Country for Old Men. Quand on est tonton flingueur. Exact. Ou quand Mimi Sicu il t'envoie une fléchette. Chacun sa rêve. Chacun son chemin. Ça, non, putain, l'hélico il m'a défoncé. Yes, merci l'hélico. Ouais, frère. Oh, putain, hey, j'ai pas beaucoup d'avance hein, sur toi. Bah, c'est pour ça, à un moment j'étais prime, alors j'en profite. Alors, ça, on dirait une liste de course. Ah, Sodo, lunettes et talons. Sodo, lunettes et talons. On dirait une vidéo d'Antoine Daniel.
Oui, j'avoue. De la bonne cochonne qui se fait baiser le fion, c'est déjà top. Alors imaginez le feu dans les couilles quand elles sont deux, baniment, lunettes et au talon. Attends, du feu dans les couilles. Du feu dans les couilles. Putain, on dirait les feux de l'amour, mais dans les couilles. Ah là là. Les feux dans les couilles. Et c'est les cochons d'Inde, en fait. Pour discipliner leur fille rebelle, un couple use de violence sadique, tout spécialement des claques et des coups de trique sur les fesses jusqu'au rouge. Ah, oh. Les triques. Ah oui, les triques. C'est ce qu'on fait. Exactement. Ouais, on est dans les sexy. Dans ces sexes. Le sex. Lesbienne ultra chic. Jamais toute nue, toujours un fil ou une chaussure. Ces filles canons nous livrent un festival 69 toute position à faire bander pendant un an. Et merci les miss. Attendez, je suis pas à poil, j'ai mes chaussures. Comme Sonic. Oui, à poil en chaussures. Hashtag à poil en chaussures. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas nourri le hashtag. Ah, ça. Non, ne me parle pas de nourrir des hashtags quand je dis ce truc, s'il te plaît. Nourris le hashtag. En parlant de hashtag, moi j'avais un bel hashtag qui m'a apporté plein de followers et plein de messages bizarres sur Instagram. C'est vrai. Ah oui, tu m'en parlais. Oui. La grande expérience. Alors, oh merde. Et bah, j'ai eu la bonne idée de me maquiller en vieille et de mettre le hashtag GILF. C'est-à-dire Grandma I'd like to fuck, voilà. Sur Instagram. Et j'ai reçu des messages sympas. Du genre un monsieur qui a commenté et qui a supprimé son commentaire juste après, heureusement. Mais qui disait je remplacerais bien ton rouge à lèvres par mon sperme. Wow. Et là tu dis alors merci pour la démarche. Merci pour le en conseil revanche, beauté. En revanche, je me permettrai de vous dire que. Je ferai un DIY sur ma chaîne YouTube. Alors là par contre, je suis tombé sur un truc, je suis un peu perplexe. MILF débutante. Bah c'est peut-être leur premier. Leur premier quoi? Parce que des MILF, enfin tu vois, de base des MILF elles sont censées être déjà assez âgées. Attends, donc elles doivent t'es censé faire un entraînement pour être MILF? Bah c'est pour ça, tu vois, je comprends pas. Parce que normalement à partir du moment où t'as eu un gamin, t'es une MILF. Bah ouais, donc je comprends pas, tu vois. Elles sont mûres et n'ont jamais baisé devant une caméra. Ah d'accord. Bah oui. Pas de problème, on leur a collé un type à une grosse queue qu'elles ont bien sucé et bien dégorgé. Bon bah écoute, dans ce cas-là, écoute, elles se débrouillent bien. Pas bah les poireaux sont dégorgés. Pas la peine de s'inquiéter. Les gorgeaux sont bien gardés. Les poireaux sont bien dégorgés et les moutons sont bien gardés. Alors. Attends, parce que je pense qu'en vrai, on peut peut-être s'arrêter sur une dernière pépite. Une dernière pépite. Fais-nous une devinette, sinon. Alors. Tu nous dis le truc avec des mots gentils et familiaux. Alors. On est encore dans la période des fêtes, donc en soi, il peut y avoir des cadeaux qu'on peut avoir envie de faire à la famille. Ouais. Et là, par exemple, celui-là, une bonne bite pour mamie. Bah, on pense à elle. Voilà, trop vieille pour baiser ? Eh ben non, ces cochonnes ont beau avoir quelques années, elles kiffent toujours autant la bite, elles n'ont aucun complexe et osent tout. Eh ben ça, tu vois, je trouve ça positif. Parce offrez que, tu des vois, godes à vos grands-parents. C'est pas une question d'âge. Oui. C'est pas une question d'âge. Tu peux être à l'aise avec ton corps, peu importe ton âge, et ça, je trouve ça. Et avoir une vie sexuelle et assumer d'avoir une vie sexuelle à cet âge-là. Mais vous savez, il paraît que les vieux, ça. Ah bah, écoute, ça baisse. Ouais. Bah, en même temps, je pense que c'est maintenant ou jamais. Moi, je vais recommander une série, je vais recommander Grace et Frankie. Ah bah oui. Parce que ça oui. parle de la sexualité des vieux, et je trouve ça hyper important. Grace et Frankie, excellent. D'ailleurs, on n'a pas fait le top flop. Oui, j'ai pas dit mon top d'ailleurs. On va le faire au prochain épisode. Ouais, puis on le fera pas. Ah, j'ai la paupière qui saute, elle est là genre c'est type non calme-toi liberté combat de la grande capitale. Bon allez, bisous et à demain, joyeux Noël.